Alors, comment se sont passées les négociations ? Nous sommes parvenus à un arrangement à l'amiable avec un homme loup nommé Akuro. Comme nous nous en doutions, lui et les autres membres des Ferrés d'Omité ignoraient que Doma avait été libéré. Il nous a dit qu'il allait contacter ses camarades à l'intérieur de la cité d'Alamigo et leur demander de se replier temporairement. Grâce à cela, nous devrions éviter d'avoir à les affronter. C'est une excellente nouvelle. Cela veut dire que nous allons pouvoir concentrer toutes nos forces sur l'obstacle en face de nous. Occultistes, en avant! Chauffez-moi cette porte à blanc avec vos sortilèges de feu! Maintenant, on passe au sort de glace! Artilleur, à mon signal, feu à volonté! Armure volante. Ah, nous sommes pourtant si près du but. Vous voyez ce que je vois ? Comme promis, les citoyens de Doma sont venus vous prêter main forte. Camarades, le moment est venu de rembourser la dette que nous avons envers nos amis Eorzéens. Luttez de toutes vos forces contre l'armée impériale. Seigneur Yen, vous ne pouviez pas mieux tomber. Nous nous occupons de ces nuisibles. Continuez d'avancer sur le chemin de la liberté. Maintenez la cadence de tir! Nous devons détruire cette porte coûte que coûte! Ça y est, la voie est libre.